Salut à bordel. J'arrive. Salut à tous les amis, c'est Turnip et Jean. On est sur Ad Adventure, on est sur The Forest et Jean est tout seul loin. Et je sais même pas trop ce qu'il fout là-bas d'ailleurs. Putain de bordel. Bah ouais, en fait je suis revenu au petit village là, mais sans le vouloir, c'est le chargement qui a fait ça. Et au moment où j'ai apparu, bah il y a eu trois mecs tout nus et une femme toute nue qui sont apparus en même temps. Ah bah sympa. Donc j'ai super peur. C'est super sympa. Ouais, attends, bah, je reprends des petits bouts de bois quand même en chemin. Ça m'a fait peur, mais ce n'est qu'une racine. Je vais te retrouver. une fois de plus, les valises repop, donc on peut encore se gaver. J'ai peur, j'ai froid, j'ai faim. Non, alors faim, non, c'est bon, je vais pouvoir régler le problème assez vite. J'essaie de te retrouver, mais bon. Si je me fais pas violenter le cucu dans la forêt. Non, mais j'ai plein de sneakers, je vais les manger. Alors la mauvaise nouvelle c'est que... J'entends des bruits très bizarres, j'ai sûrement sursauté, me faire caca dessus, mais tout va bien, tout va bien. Sur la maison, la bateau qu'on a fabriqué, pourquoi je passe à travers? À travers le sol? Oui. Parce qu'elle n'est pas terminée. Et donc si elle n'est pas terminée, c'est... Y a pas d'intermédiaire, soit elle est terminée, soit elle n'est pas terminée. Si elle n'est pas un peu terminée, genre tu peux flotter, c'est que dalle. C'est clairement de faire foutre. J'ai trop de cailloux sur moi, peut-être c'est pour ça que je me fatigue à courir aussi. Ouais, il y avait des médocs là, pourquoi? Une balle, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des sneakers là? Ouais, prends ton temps, il y a juste 4 mecs qui brouillent autour de moi. Hein, mais j'ai trouvé plein de trucs par terre que ça devait pas être là. Super, tu. Là, il y avait un lapin. Non, mais t'as raison, cueille, chasse, machin. J'arrive, je vais les taper avec ma hache à dents. Mais y'a personne, tu fous de ma gueule. Salut les cons! Salut! Bah, je crois que tu les as fait peur. Bah oui, bah écoute, je les ai vexés. Oh, y'a deux lapins qui vont niquer, ils se courent après, regarde. Oh, mais ils courent dans l'eau! ils ont couru dans l'eau, genre en mode rien à foutre. Regarde, les deux lapins, ils vont niquer. Mais non, mais ils couraient après, et puis y'en a un qui s'est réfugié dans l'eau, et là il a dû se rendre compte qu'il n'était pas un poisson. Oh, regardez, il monte l'arbre, le lézard là. Pourquoi j'ai pas pu m'équiper de mes viandes? Il est mort ou... Ouais. Je vais le peler quand même. Bon, bah tu les as fait fuir. Voilà, mais du coup, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce qu'on est entré dans le feu de l'action, mais on sait pas du tout ce qu'on va faire. Ah ouais, non, du tout. Bah soit on finit la petite maison bateau. Ah ouais, on va finir la petite maison bateau, s'il faut couper un peu. Soit après, je te rappelle qu'il y avait toujours un passage dans la grotte qu'on n'a pas exploré. Exactement. Oh mon dieu, j'entends un bruit. Il y en a un qui court vers moi. Je vais me faire tomber l'arbre sur la gueule, là. Je le vois. Bah j'ai failli me faire tomber l'arbre sur la gueule, littéralement. Il fait des galipettes cascades. Il fait un bruit clairement dégueulasse. Attends, faut viser la tête, parce que comme ça, on récupère ses dents. C'est comme ça. Alors j'ai appris que tu pouvais faire. On peut avoir des os en fait, il suffit de prendre par exemple une jambe dans ton inventaire. Super. Et faire C pour la faire cuire. Pour la faire cuire? Ah mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Voilà. Moi je suis en train de couper plein d'arbres. Vas-y. Bah, de toute façon, visiblement maintenant c'est. Ça a l'air d'être assez clean. Alors. Voilà, si tu veux m'aider à les emmener au. Bateau. On a qu'à en mettre 2-3, histoire 2. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Casse-toi. Oh, j'arrive pas à... Espèce de malade, là-haut. Je vais t'apprendre la vie, moi. Ce que je propose, c'est que voilà, on construit ça, et puis dès que le soleil se lève, on va retourner à la grotte, et puis on va explorer le petit passage dans lequel on n'était pas descendu. Tout à fait. Oh, vous remarquerez qu'à chaque fois que je dois me battre, Turnip fait complètement autre chose. Hein. Ah, mais c'est chacun. Je suis un chasseur-cueilleur-constructeur, tu es un combattant. Eh merde, oh putain, tout va mal. Mais j'ai essayé de nager avec des bûches, mais du coup je suis tombé, les bûches sont tombées sur moi, ça m'a assommé, je suis tombé inconscient, je me suis noyé. J'ai attrapé froid. J'ai rencontré Jésus, et il m'a ressuscité car je n'avais pas accompli toutes mes missions sur Terre. Oh les gars, arrêtez, je suis en train de construire. Alors arrêtez de grogner ou aidez-moi. Mais pourquoi il y a un arbre qui vient de s'écrouler là? C'est moi. Et pourquoi ils sont 5, hein? J'en compte 5 en tout là. Ok. J'en compte 6. On se rapatrie sur la petite. Sur quoi? Sur la petite. Ah, bien vu! Je me rappelle. Il m'a fouetté le cul! Et maintenant je vais faire mon boulot de combattant. Venez là, les pétasses! Je vous défonce! Moi je vous fais cramer, moi! Aïe! Ah, mais c'est un peu flippant quand même! Ok, je me casse! Fait super mal le bâtard là. Bon, on a un peu des gros lamers, alors je vais leur mettre des flèches dans le cul puis on va voir si ça leur plaît. J'ai peut-être failli te mettre une flèche dans la gueule à toi. Ah non, ça c'est notre statue. Oh, il a esquivé. Mais il esquive tout.
Tiens. Mais ils viennent d'où? Je sais pas, mais bon, le soleil voilà. Se lève pas. J'en ai eu un, j'en ai eu un. Mais il faut comme les lapins, ils se jettent dans l'eau, en oubliant qu'ils savaient qu'ils sont pas... Que c'est pas des lapins. Mais oh, comment j'ai pu le rater? Bon, je vais ressortir ma hache, parce que visiblement... Ah, quelqu'un va taper ou quoi? J'ai plus d'eau. Il y a quelque chose qui va pas, je vais manger. Ah, oh, ils se mangent entre eux. Ah, oh, donc ils se font plaisir. Bah, elle était contente, visiblement. Oh, steak. Je vais manger ça, je vais me boire un petit peu d'eau. Glou glou. Oh là là, comment on fait pour boire? Comment on fait pour boire? Drink. Attends, je vais sortir les grands moyens. J'étais en train de me faire un petit casse-croûte pendant ce temps. On va y aller. Oogabagwe ouais. Shut the fuck up, you jump motherfucker. Non, ça c'était moi. Mais j'ai feuillé ton colline, mais c'est pas grave. Oui, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Ah, vous avez peur du feu, hein? Mais vous courez trop vite. Stop, venez vous battre. Ah, loupé. Mais loupé, bien. Connasse. Ah, t'as chaud, hein? Disparaît dans l'eau. Ah, tu fuis, Tango. Oh, bah elle est morte de façon très chelou. Bon, lui je pense qu'il est décédé. Fais gaffe derrière toi. Ah. Tiens, ah non, c'est bon, c'est notre construction. Mais, ah, mais je t'avais pas vu toi. Il y a un petit gouloum là. Tiens. Ouais, bah ouais, ils savent bien se planquer les gouloums. Merde, putain, j'ai loupé sa tête. Venez. Voilà. Bon, je vois pas ce qui se passe. Et peut-être voilà. Qu'il vaut mieux. Voilà. Voilà, je crois que je l'ai décapité. C'est bon, bon exactement... la tête a... Je répète, la tête a cédé. C'était pas exactement mon objectif, mais... Voilà, c'est re chez nous maintenant. Bon, voilà, du tout, il y a une tête qui roule. Ouais, bon, ça, à la limite, c'est normal. C'est... Oh, un petit lapinou. Bon, allez, je vais construire encore mes deux trucs, là. Ouais, construisons. Regarde, on sera bien notre petite baraque, là. Est-ce que j'ai récupéré un os ou pas, alors, du coup? Oui, j'ai récupéré un os. Il nous en faudrait 6, comme ça, on peut se fabriquer une armure en os. Ah bah alors je pense qu'en termes de membres humains, je crois qu'il y a ce qu'il faut dans le coin. Oui, là oui, on s'est bien refait là. Hop. Est-ce que combien j'ai de membres humains sur moi? J'ai une jambe. Question que je me pose, ça marche vraiment les effigies? Non, parce que à force je suis en train de me poser des questions quand même. Mais en fait j'en sais rien, est-ce que ça a un vrai intérêt pour... Ça va oui, pas du tout lui avec eux. Est-ce que c'est un vrai intérêt? Ah, j'ai chaud. Ah, pousse-toi, j'ai chaud. Pardon, excuse-moi. J'ai pris son bras. On fait cuire des... Ah ouais, effectivement. Mais on peut les manger en plus, la viande, là, des humains. Non, non, mais moi, je fais pas de cannibalisme, c'est mal. Pourquoi? Si on me le propose. Déontologiquement parlant, c'est pas top. Bon, c'est tout, tu vas pas commencer à bouffer des mecs. Du coup, j'imagine qu'on peut faire cuire des têtes, aussi. Ouais, je pense que ça te donnera des crânes. Ouais. Logique. Trop bien. Bah tiens, je vais mettre une. Ah ouais, voilà. Tout qui cuit... Ça semblait bien qu'il y avait un tronc d'arbre par terre. Ben voilà. Oh putain, c'est un peu le carnage ici là. C'est quoi ça? C'est un, oui, monsieur, oui, c'est un monsieur. C'est un monsieur ou madame? Ah, il y en a un, on dirait qu'il s'est noyé dans l'eau. Bon, le soleil se lève, est-ce que ça te dirait pas qu'on a exploré ce qu'on avait dit qu'on explorait? On a bien avancé sur notre petite... Bah attends, il nous reste rien je crois là, quasiment non. Il en reste quand même une bonne dizaine je pense. Hein. Ça fait 5 quarts. Non, ça fait pas 5 quarts parce que je dis n'importe quoi. Il en faut 16 encore. On a fait... Ben, on a fait les deux tiers. Bon, bah écoute, on va... Ouais, on peut aller explorer. Attends, je vérifie que moi, je suis bien en termes de bouffe. J'ai 2 sneakers. J'ai encore de l'eau. Tu viens visiblement de te rompre un os, mais tout va bien. Non, ça va, ça va. Non, c'est ma clavicule, elle claque des fois. Ça m'arrive de temps en temps. Alors, attends, je vais juste rajouter ça, faire ça. C'est dégueulasse, c'est des bouts de... Ah, bah voilà, des os. Ah oui, il y a des bouts de gens, oui. Ouais, bon bah écoute, on peut y aller, oui, effectivement. Y a pas de... Je vais boire un coup juste avant de partir dans l'eau. Ah, une tête qui vient de cuire là, c'est parfait. Bah, je vais remettre des jambes à cuire. J'aime bien ce jeu parce qu'il me permet de faire des phrases que je ne dis pas souvent dans la vie de tous les jours, quand même. En tout cas, si tu les dis souvent, c'est qu'il y a un problème. Je les dis parfois, mais pas souvent. Pas souvent. Donc ça va. Il y a un bras là, je vais faire cuire un bras aussi. Est-ce qu'on peut faire cuire aussi... un torse? T'as vu, elle aussi, elle est possédée. Ils sont tous un peu. Les attacher de façon un peu bizarre. Alors, on va virer ça, parce que moi tout ce charnier là ça m'agace. J'adore. Y a plus de place pour mettre des bras, des jambes, des pieds là-dedans hein. Qu'est-ce que ce bordel? Ah bah voilà, je suis en train de prendre feu, on va avoir un bon assortiment. Un squelette entier dans peu de temps. Bah voilà, mais bien. Putain, c'est pas possible. Voilà. Arrête de te plaindre déjà, il fait quelque chose. Voilà. J'ai mes sneakers, j'ai ma peau de lézard que je viens d'équiper comme un gros con alors je voulais la combiner.
Ouais, c'est vrai qu'il me semblait qu'il me restait de l'armure, mais visiblement. Bah, en fait, on s'est juste fait défoncer notre gueule, donc l'armure elle a disparu. Eh oh! Ça va pas, vous? J'étais dans mon inventaire, tête de nœud. Attends, y'en a un deuxième, y'en a un deuxième. Il y a un truc sur la tête. Y'en a un troisième. Tiens. Mais ça croit qu'on est chez eux. Ou ils croient qu'ils sont chez eux. Non, mais. L'autre il court sur les. Ta gueule, toi. Ouais, c'est ça. Mon pote. Descends! Wouhou! Allez, tu descends! Je te fouette le cul, moi! Il est dead, lui, ou il est pas dead? Ah bah là il est mort. Oh, c'est trop bien, regarde, là, on dirait vraiment qu'on fait un hôtel. Ah ouais, on dirait qu'il s'est planté le truc dans le cul. Ouh, ouais, bah il est gourmand, le monsieur là. J'ai mis 4 pieux dans le cul. J'ai plein d'os, mais je sais pas où ils sont. Allez, voilà. Non, je ne vais pas manger ça, non. Mais bon armor, il faut quoi du coup? Il faut 6 et après, je sais plus, peut-être des claws. Des claws? Des claws. Ah oui, d'accord. Du tissu. Et oui. Alors je l'ai combiné. Je la remove. Et je vais la. Merde. Putain, mais t'as récupéré tous les os que j'avais fait cramer en un fait. Un peu, ouais. J'étais un peu un gros enculé sur ce. Sur ce point là. Mais je peux rajouter des morceaux de gens. Hein. Regarde, il y a un genre là. Je vais le découper. Oh, j'ai vu son zizi de près et il n'en a pas. Je ne sais pas ce qui me choque le plus. Qu'il ait pas de zizi ou. Ben ouais. Pourquoi je peux pas mettre au feu là? Putain, mais y a ouais, c'est un peu bordel. Galère, c'est un peu galère. Y'a un peu trop de bordel en fait. Hop. Est-ce qu'on peut faire sécher des jambes sur mon sèche-viande? Hop. De bonnes jambes séchées, ça serait pas sympa. Faire combiner. Voilà. Voilà, bon, je remets des. Je continue à tout faire cuire si tu veux. Voilà, moi je vais tout faire cramer d'un coup. Alors, light. Hop. Comment tu fais tout cramer d'un coup? Molotov and the coff, voilà. Ça a marché ça? Je crois que sur le wiki c'était marqué que ça pouvait. Bon, j'ai une tête là, je vais la mettre quand même si je voulais pas vraiment le faire. Atelier barbecue today, hein? Ah oui, oui, c'est ça. Mais putain, j'arrive pas à viser. Fais ton barbecue. Bon, pour la peine, je vais manger un bras. Ah bah non, je brûle. Ah, je vais me baigner. Finalement. Ah non, y'a un mec qui se baigne avant moi, merde. J'ai une tête dans les mains, le gars. Oui, le gars il se bat encore, je le comprends. Alors, est-ce que t'as une tête dans les mains? Ouais, c'est vrai que ça impressionne un peu. Quand même. Je vais remanger un sneakers. Je vais manger mes médocs. Bon, je vais me dropper cette tête, bon, j'en ai rien à branler en fait. C'est bon, ça finit. Et encore des os là, si tu le veux. Ah bah là, y'a plein d'os. Bah oui, visiblement, avec le cocktail, ça a bien marché. Ah bah voilà. On va se faire un espèce de tas. Oh ouais. Trop bien. Y'a un cul là aussi. Y'a un cul là. J'arrive pas à couper ce monsieur. Ah, ça y est, j'ai bien coupé le monsieur là. En question. Oula, les gens ont sauté, c'est complètement dégueulasse. Bonne armor. Putain, mais il en faut attaquer en fait. C'est mort ça ou c'est vivant? C'est coupé ou pas? Je comprends pas. Ah non, c'est calciné ça. Je t'ai pas mis un coup dans ta gueule là ou? Non, ça va, ça va. Ah si, c'est bon, je continue à découper. Ok, d'accord. Si, j'aime bien. Ah bah oui, ça découpe bien. Voilà, est-ce que c'est un autre molotov? On peut refaire cramer. Oh bah oui, regarde ça! Tous ces gens là, à découper, à brûler. Y'a moi tous ces gens. Oh là là, c'est dégueu. Hop. Combine. Ah bah j'avais un bras en trop dans mon inventaire, dis donc. Là je suis en train de me faire une petite armure en os là. Loup. 5. Dis-moi pas qu'il va m'en manquer un. Hop, lâche ce pied. Il va m'en manquer un. Non mais en fait finalement c'est plutôt utile les massacres comme ça. Bah bien sûr, toujours. Vas-y, je vais voir comment on fait un molotov, j'imagine, avec ça. Close et bouteille d'alcool, tout simplement. Voilà. Bon, bah, je vais balancer, on va voir ce qui se passe. Bah, moi, c'est comme ça que j'ai fait des os. Hein. J'ai oublié d'allumer mon cocktail molotov, donc du coup, c'était ridicule ce qui vient de se produire. Bah, ouais. Donc, en fait, ça fait juste une bouteille. Oui, ça fait pling, et puis voilà. Voilà, c'était assez nul. Voilà, voilà. Oui. Ça crame, j'ai cramé un petit sapin aussi. Vas-y, je suis sexy avec mon armure en os là ou pas? Fais gaffe derrière toi! Ah! Un autre mec, tes os, donne-nous tes os, bâtard! Oh putain, il se fait dépouiller! Tiens, donne-nous tes dents aussi, accessoirement. Tiens, tes os. Attends, je vais essayer de le balancer dans le charnier pendant qu'il est actif le feu. Sans me brûler, ce serait bien, mais j'ai des doutes. Est-ce qu'il faut les démembrer avant ou pas, tu penses? Non, non, j'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin de les démembrer. C'est juste horrible ce qu'ils vont entendre à couper. Ah, effectivement, ouais, ça. Bah non, ça crame que dalle là. Moi, je vais en refaire un hein, pour être sûr.
Attends, j'ai encore un cadavre entier à poser. Très bien, prépare-toi, pose-le. Vas-y. Non, mon briquet est con. Je vais mettre là le molotov. Bah, il y a un piaf en plus, il va peut-être cramer avec. Ah, oula, oui, fais attention. Ah, le piaf, il a eu peur. Pourquoi le truc il est parti à perpète alors que j'avais bien lancé là. Mais l'oiseau, tu te poses dans les flammes. Mais qu'est-ce qui se passe avec les oiseaux? Ils sont infugés. Mec, ils sont en téflon. Oh non, mais non, merde, on est en train de faire un charnier, les gars. S'il se met à pleuvoir, respectez un peu quoi, merde. Mais c'est ça, notre boulot, bande de bâtards là-haut. Respectez un peu le boulot des gens honnêtes. Allez, mon défi c'est de toucher Scorback. Et puis c'est du boulot, merde, ils se rendent pas compte, les mecs. Je n'y arriverai jamais. Oh putain, non, pas du tout. Bah, ah, mon défi c'est de toucher cet oiseau. Je suis tellement mauvais que. Oui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon, bon, d'accord, je suis une grosse merde, j'ai perdu toutes mes flèches. Je suis encore un peu faim, voilà, ça va mieux. Merde, tous ces corbeaux, eh, bouge, bouffez pas nos cadavres! Vous êtes tout bon. Ah, bah oui, ça les fait venir, hein, normal. Mais même les oiseaux rouges, j'ai des trucs, c'était rouge-gorge, ils viennent bouffer des macabées, faut pas se foutre de ma gueule, mon maman. C'est quoi cette forêt super hostile? Ou même les oiseaux de Blanche-Neige, ils commencent à te bouffer les entrailles. Les oiseaux de Blanche-Neige. Ah, ça a pas tout cuit, hein. C'est pas le rendement d'un molotov, c'est pas ça encore. C'est pas mal, hein. Oui, oui, c'est pas dégueulasse. D'ailleurs, je récupère tous les os là. C'est pas dégueulasse, je sais pas si c'est pas. Oh putain, mais c'est énorme en fait. Bah si, c'est profondément dégueulasse, mais. Putain, tout ce qu'on a récupéré. Merde, il me manque deux os, c'est chier. Oh, il y en a qui traînent, hein. Je vais en refaire cuire quelques-uns. Ouais, bah vas-y. Au final, on sera pas allé explorer la grotte, mais on aura cramé des membres humains, et je trouve que. Bah, on s'équipe aussi. C'est tout aussi constructif, voilà. Comme ça, l'épisode suivant, on sera très présent. J'ai tué ce lapin juste par le plaisir. Il se cache dans un rocher, enculé. Il a cru qu'il allait m'avoir. Oh, le bâtard. Putain, mais il y a tout mais ça. Mais non, mais voilà ce qu'il faut que je me fasse. Il me faut une armure en peau de lapin. Dites-moi que c'est possible, Je sais que tu peux te faire des chaussures en peau de lapin. Ah, bah voilà. Mais des. Je vais les faire cuire la viandasse là. J'essaie de trouver si on n'a pas laissé des cadavres encore quelque part. Parce qu'on a tendance à faire traîner des cadavres un peu partout. Ouh, je suis pas sûr de ce que je suis en train de manger là. Ça ressemblait à un lapin. Mais au bout d'un moment, un membre humain cuit, ça peut ressembler à un lapin aussi quoi. Moi je pense que ça compte. Non, je pense que c'était un lapin clairement. En toute honnêteté, je pense que ça compte. Faire cuire mon lézard, ce qui n'est pas une expression pour dire je vais me branler, entendu. Évidemment, de toute façon, personne n'y avait pensé. Ah, bah, je suis content de voir qu'on peut cramer les cadavres parce que j'avais peur qu'on soit un peu envahi de macabées. Oui, mais bon. Oh, il y a une tête là-bas aussi. Voilà, bon, les oiseaux, maintenant il me faut vos plumes. Il y a des membres humains calcinés, il y a un pauvre lézard qui attend la mort. Que je lui ai donné vite et bien. Ah, un autre lézard là qui attend la mort. J'attendais pas la mort, connard, je me promenais juste. C'est ça. Ah, mais foutez-moi la paix, vas-y, je demandais pas la mort, vas-y. Je vais j'avais rancard et tout. Oui, bah. Arrêtez de vous poser sur les cadavres de vos oiseaux, de vos copains, bande d'oiseaux de merde. Après, je vous bute. Oh, un bleu. Allez, l'oiseau de Twitter, tu vas mourir. Voilà. C'est ainsi que Twitter mourut. Ah, c'est ça, va-t'en. Y'a plein de gens d'oiseaux là. Les mecs qui ont tourné la carte, c'est les mecs qui venaient de la civilisation. Tu vois, ça c'est mon meilleur ami, c'est un oiseau bleu. Oui, mais il est mort. Oui, mais c'est un oiseau bleu, je l'ai appelé Twitter. Trop original. Allez, le gars. Tu veux que je t'envoie un tweet? Non, c'est bon, merci. Non, c'est dégueulasse. Allez, bol. J'ai plein de viande à assumer. Non, s'il faudrait pas du coup. Ah non, je crois qu'on peut pas la faire sécher, la petite viande. Si, mais il nous faudrait. Non, mais la toute petite, j'ai l'impression. Celle des oiseaux, je crois que je peux pas. Je le sais, j'ai tué au moins 700 oiseaux depuis le début de cette part de ce putain de let's play, donc... J'ai fait un gros massacre de zozios. Et ça, je peux pas l'allumer ça, je suis étonné qu'on puisse pas. Fais gaffe, hein, je mets des membres humains à cuire aussi. Bah attends, mais on va refaire des cocktails, ça va vous carrément plus vite. On fait des soirées cocktails, mais c'est pas ceux que t'aimes bien, quoi. Oh, le cannibale, mon préféré. T'imagines le mec. Bon, tu viens à notre soirée cocktail? Ah ouais, mais trop, j'adore ça les cocktails en plus. Pourquoi il y a des membres humains empilés dans la pampa là? Non, mais vas-y, c'est notre soirée cocktail, je juge pas. Y a un autre. Prends donc un apéritif cannibale. Tiens, regarde, j'ai pris un œil fourré aux anchois, ça te dit? Hop, voilà, je remets des membres humains là. Oh, il y avait un membre humain qui se promenait ici. Pareil. Attends, on regroupe tout là. Là. Ah, mais tu les emmènes où? Là, à tes pieds là. Eh merde, il était très bien mon tas déjà. Mais non, il était pas super bien là ton tas.
Quelle mauvaise foi, tu sais. Non, non, il est pas optimal. Moi, je trouve que c'était pas terrible, terrible. Moi, j'étais déjà. Je vais voir si je peux pas faire cuire aussi ce macabé là, parce que il va nous emmerder. Le truc dégueulasse. Y a pas des cadavres qui traînent là? S'il vous plaît. Voilà. Bon, bah là, normalement. Ah, les lézards, ils commencent à être un peu inquiétés quand on est là. Ouh, y'en a deux! Ouh, y'en a deux! Ouh! Voilà. Bon, bah, toute notre après-midi. Mais pourquoi tu glisses, toi? Viens par là. Mets-toi là. Arrête de descendre, madame la jambe. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Celle-là, ici aussi. Là. Heureusement que vous voyez pas ce qui se passe dans mon écran parce que c'est absolument dégueulasse. C'est nous les tarés pas. Oh, quand même! Attends, j'en ai d'autres, hein, j'en ai d'autres membres. Vas-y, vas-y. Ah putain, ah, si c'est bon. Profite-en pour poser. Bon, après, on est con, on fait ça sur une descente aussi. Hein. J'avoue, il faudrait qu'on se fasse. Bah, déjà, en plus, dans un endroit où il n'y a pas d'herbe pour qu'on voit bien, ce serait pas mal. Il faudrait qu'on se fasse un petit sol en pierre. Ou en, je sais pas, en parquet flottant. En parquet flottant. C'est sûr que c'est pas trop réussi? J'ai ramassé. Je peux ramasser des trucs, je sais pas ce que c'est. Alors, moi, j'ai plein de peaux de lézard. Donc je vais voir si je peux pas les combiner un petit peu là. Le temps que tu fasses cramer tout ça, moi je continue à couper du bois. Ça on reste optimal. L'optimisation les amis. Je me fais quelques armures. Vas-y, vas-y. De lézard. Je suis presque à 50% d'armure. Bah, je pense que ça va le faire moi là. Là aussi, je suis pas loin de 50%. On a plein de bouffe en fait, on a plus assez faim pour toute la nourriture qu'on produit. Pas faux. Même si je ne peux pas être 100% certain que je n'ai pas bouffé un bras ou une jambe à un moment donné. Je ne peux pas être sûr de moi là sur ce côté là. Ah, j'ai perdu notre tas de viande. Comment c'est possible? Merde, je suis tombé à l'eau. Il est où notre tas de viandasse? Notre tas de bidoche. Ça va pas des pop quand même. J'espère pas quand même. Mais merde, je suis globi ou quoi? Il était pas genre là? Il est là, et pourquoi il en reste plus que 3 jambes? Ah, il a dû disparaître. Je vois aucune jambe moi en plus. Ah putain. Oh les gars quoi. Le jeu il nous censure en fait, on est trop trash pour le jeu, on fait trop de... C'est ça. Non arrêtez, vous êtes des malades, arrêtez, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Bon, je vois si j'ai pas un ou deux lézards que je pourrais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais putain, mais t'as même pété le feu en fait. J'ai récupéré un truc de la terre, ah je me suis couvert de terre. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Ouais, moi aussi je crois que je me suis couvert de terre à un moment, mais j'ai pas compris le délire, je crois. Bon. On va ressembler à des vrais cadavres. Combien il nous manque de... Ah, il nous en manque 12. Il nous en manque 12, je vais aller en couper quelques-unes autour de ce truc. Non, tu veux pas que j'allume ce putain de feu? Parce que moi je veux bien quand même. Voilà. Je vais manger ça, hein. Je sais pas s'il y avait pas des membres humains non plus dedans, mais c'est pas grave, c'est Tornip qui était à la cuisine, je lui fais confus. Bon, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû. Là, ça c'est bon. Allez, on continue à cuire les morceaux de gens. Là, il nous faudra un feu beaucoup plus... Est-ce que l'autre hache est pas mieux le bois? Ouais, peut-être. Hein. Ouais, je sais pas. Nous on peut continuer à chasser du... C'est marrant, je suis couvert de sang, ça c'est étonnant quand même. Je vois pas quelle activité on a pu me couvrir de sang. Comme c'est cocasse. Ce que j'ai fait récemment, je ne vois pas du tout. On est pas mal là, hein, sur le bois, je pense. Sur le bois, on commence à être bien là. On a bientôt fini. Bon, il nous en reste 10. Putain, j'ai tellement fail. Ouais, je vois ça. Attends, je prends celui-là, comme ça c'est fait. Mais pourquoi je me rate? Mais ah! Oh voilà. Ça va être tellement drôle si elle ne marche pas du tout cette maison bateau. Pourquoi elle marcherait pas? Bah parce que c'est une alpha. Mais elle va marcher, y'a pas de raison qu'elle marche pas quand même. Qu'est-ce qui pourrait. Mais c'est pas possible de se rater à ce point! Ah mais bûche, ça y est, elles partent à la dérive. Elles partent à volo. Elles voguent. Allez, plus que 5, aïe. Plus que 3. Bon bah plus que 3, bah plus qu'un arme, je vais le faire. Bah vas-y, pète l'arme. Ah, je suis très déçu que tous nos membres se soient... volatilisés. Ouais, ça ah bah en parlant de membres, il y en a un qui veut rejoindre le... Ah, on était livré. Ah super.
On a un futur membre. Bonjour. Eh, là. Bienvenue chez nous. Tu veux rejoindre nos membres? Voilà, ah, c'est pire, c'est une asso. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et comme dans toutes les associations, on va profiter de toi. Voilà, voilà, viens là. Bon, bah, molotov sur ce cadavre, ça devrait faire l'affaire. Ouais, il faudrait peut-être attendre qu'il y ait plus de cas. Ouais, il risque de dépop quand même, ça qui est dommage. Bah, ouais. Hop. Non, mais je vais faire cramer. Je vais lui faire cramer le cul. On peut pas juste les faire cramer genre à la torche, quoi, tout simplement. À la torche? Bah, non, il faut quand même que tu réussisses. C'est pas assez inflammable pour. Bah, j'en sais rien. Ouais. Attends, moi, je suis professionnel de brûlage de corps de père en fils depuis 1754. Depuis 1941, alors, s'il te plaît. C'est dégueulasse. Attends, écoute, c'est mon papy qui a fabriqué la marque Bosch des fours, alors je peux te dire, j'en connais un rayon. Bosch. Pas sûr que Bosch ce soit allemand, parce que ça s'appelle Bosch que. Ah, si, Bosch c'est allemand. Ah ouais, putain, c'est con quand même. Ouais, bah c'est parce que les Allemands ils étaient pas au courant qu'on. Enfin. Ils savaient pas. Non, mais c'est pas possible, les mecs, c'est pas possible d'être aussi mauvais. Autant de fois en si peu de temps. Oh non, mais regarde, ma bûche elle est partie à l'autre bout là-bas. Bah oui, mais tu fais des quelle conneries. Quelle espèce de conne. Mais j'ai encore raté mon jump, comment c'est possible? Bah je prends pas assez d'élan, je pense. Ah. Non. Ah, en tout cas c'est bien parce que sur un corps complet, tu récupères plein de boss. Ça c'est cool. Alors... Il y a 201, non, on a combien de doses dans le corps humain? C'est pas 201 ou un truc comme ça? Ah bah y'en a que 6 visiblement. Mais ils sont que 6 os, mais plutôt ils sont vénères. Moi aussi je suis pas content. Les gars, on a pas d'articulation. On a un os pour la jambe, un os pour le bras, un os pour le truc. On a pas de rotule, on a pas de... Tu ressembles avec ton armure en os? Ah mais en fait t'as... Ouais, moi c'est un hybride un peu. Ah oui, toi c'est un hybride, oui, effectivement. J'ai un peu toutes les armures possibles. Je suis un peu plus en os. Ça c'est bon. Ah bah si, il nous manque encore les armes. Hop. Non, tu veux pas que je casse cette arme? Dis-le. Hein. Attends, il y a une bûche là. Ah, c'est la dernière, c'est bon normalement. Ah bon, d'accord. Bah, vas-y, pète-le parce que peut-être que je ferai une plateforme en plus hein, pour pouvoir essayer. Ouais, bah, parce que c'est galère. Non, mais j'en ai ras le bol. Hop, hop. Bon, il suffit de sprinter pour d'ailleurs. Hein. Oui, bah, regarde, tu vois, ça marche. Quand on sprint. Ouh, super. Oui. Hey, tu peux même le piloter le machin ou quoi? Et oui! Ah, tu peux piloter le truc, c'est dommage qu'on soit sur un tout petit lac. Ah ouais, j'ai complètement raté mon coup là. Ça aurait été sur la mer, je dis pas, mais... C'est cool, on a notre petite maison. Oh, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Oui, joli soleil qui se couche derrière en plus. Oh bah ça aurait été une journée fortement constructive, mine de rien. Bah, ouais, on a tué des gens. On a fait des armures en os avec leur reste. Tout va bien, ouais. Quoi, notre santé mentale va très bien. J'irai pas jusqu'à là. Voilà, bon, je vous laisse, je vais aller faire un collier avec des têtes décapitées d'oiseaux. Voilà, bon bah voilà, bah écoutez. C'est vrai, ils sont là. Ah non, il n'y a plus de têtes. De toute façon, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Tout à fait, il est temps. On vous dit à la prochaine, nous, pour la suite de nos aventures, et je pense qu'à l'épisode suivant, bah, on va aller retourner s'enfoncer dans la grotte. Tout à fait, enfonçons-nous dans la grotte. Voilà. Bon bah, merci à tous de nous suivre, à très bientôt pour la suite de nos aventures sur The Forest. Ciao, Aijin. Ciao, Turnip, et ciao à vous, les amis.